Ah, ici. Ah, ici, c'est bon. Ah, ici. Expelliarmus! Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de Minecraft. Eh ouais, la dernière fois je vous avais dit, si vous mettiez 3800 likes sur la vidéo, eh bien on ferait la suite de Minecraft direct. Eh bien chose promise, chose due, on fait la suite de Minecraft direct. Allez voir comment qui se porte le blé. Tais-toi! Alors mon vieux, t'as pas fini de brailler comme ça? Eh bah le blé ça se porte plutôt bien. On va mettre des poudres d'os après pour que ça... pour que ça pousse un petit peu plus vite. Ça c'est bon, c'est poussé. Ça aussi. Et ben c'est bon tout ça. C'est impeccable. Ouh, il y a un zombie là-dessous mon vieux. Comment ça m'agace celui-là. Donc cette fois-ci les gens, on va dire que si vous êtes vraiment chaud pour la série, vous mettez 3900 likes sous la vidéo et on sort la suite de Minecraft direct. À 3900 likes, la suite directe. Et vu que je sais que je vais pas avoir 3900 likes tout de suite, ça me laisse largement le temps pour faire ma vidéo. C'est cool ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouh, va falloir que je range tout ça. Déjà, on va nourrir les moutons. Putain, ça par contre c'est chiant là, la terre là. Ça me suit partout ça mon vieux. Voilà. On va nourrir un petit peu les moutons. On va manger une petite côtelette tranquillement. Voilà. Encore une fois les gens, merci à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci vraiment à tout le monde pour vos astuces. J'ai encore beaucoup d'astuces dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, vous avez toujours un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. Tais-toi mon vieux, je vais te nourrir là, tiens. Voilà. Alors, vas-y, fais-moi des petits moutons. Voilà. On va nourrir un petit peu ici. Voilà. Pas les mêmes mon vieux. Putain, qu'est-ce qu'ils sont gourmands mon vieux. Regardez-le, lui, il est tout petit là. Hein? Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est bon, il n'y a plus rien. Ça y est, c'est fini. C'est fini, c'est bon. Alors, mon dieu, comment que ça braille? Eh ben, alors on va mettre un petit peu de poudre d'os là-dessus. Voilà, ça va être bien cool. Ok, ça c'est bon. Voilà, regardez ça, comment que ça a poussé. Direct mon vieux. Voilà, on prend ça. Et bah c'est impeccable. Putain mon vieux, comment qu'il braille les moutons, sérieux? Eh, on s'entend plus parler là. Eh, j'aurais dû le foutre plus loin l'enclos de moutons là. Alors tac tac tac. Ça c'est bon, c'est impeccable. Bon, encore une fois dans cet épisode les gens, beaucoup de choses de prévues. On va essayer de pas trop traîner. Alors à chaque fois, je sais que les épisodes de Minecraft sont un peu longs comparé aux autres vidéos sur la chaîne. Mais c'est parce que ben, y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à voir. Donc je sais pas, peut-être que j'essaierai de raccourcir un petit peu les épisodes. Bon en tout cas, dites-moi dans les commentaires si, si le temps des épisodes ça vous convient. Et sinon je les raccourcirai un petit peu. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires si ça vous convient, si c'est pas trop long et tout, voilà. Sinon je les laisserai comme ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Le lapis lazuli, on va mettre ça là. Alors aujourd'hui, ouais, j'ai encore beaucoup de trucs de prévu. Bah ouais, ça, on va aller faire pousser du bambou. Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Ce que je voudrais faire, c'est qu'est-ce que je voudrais faire déjà? Attends, je voudrais prendre de l'obsidienne. Je voudrais essayer de faire un portail pour pouvoir peut-être rentrer dans le Nether. Ça pourrait être plutôt sympa. Alors aussi, je sais qu'il y a Najimix qui m'a fait un skin pour Minecraft. Najimix, merci à toi d'ailleurs. Mais je l'ai toujours pas mis en fait. Mais je pense que j'essaierai de le mettre au prochain épisode. Parce que c'est vrai que là, mon skin... Bon, tu me diras, il est pas trop mal comme ça. J'aime bien. Mais il est mieux celui à Najimix. Ouais, ouais, il est bien. Donc j'essaierai de le mettre au prochain épisode. Donc ce qu'on va faire... c'est que je vais ranger le diamant. Ouais, parce que ça on m'a dit, mais fais gaffe avec ton diamant, garde le pas sur toi. Je sais. Le blé, on va le mettre là. Les deux seaux, je vais en garder qu'un. Voilà, ça peut être cool. Le livre, je vais le ranger. Donc ça, le livre, vous m'avez dit que ça sert à faire de nouveaux enchantements si on a des niveaux supérieurs. Donc ça, ça peut être cool. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Ouh, ça commence déjà à faire nuit. Eh bah dis donc mon vieux, ça fait déjà bien nuit. Alors, ouh, attends, j'avais oublié de récupérer des petites boules, ça c'est pour l'expérience. Ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire pousser un petit peu de bambou ici. Je vais en faire pousser un là, voilà. Non, juste un, ça ira. Voilà, ça c'est nickel. Mon vieux, eh ben, alors, par la suite, j'avais dit je ferai un petit jardin de bambou juste à côté, ça pourrait être cool. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense, ça je l'avais dit la dernière fois... tac, on va remplacer ça ici. Voilà, ici je vais faire un petit chemin histoire d'eux, ça pourrait être bien sympatoche. Voilà, et je pense que on va se faire, vous savez, le portail du Nether, un peu plus loin. Ça pourrait être cool. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Alors j'étais en train de creuser ma petite grotte pour aller faire ma salle du portail, tranquillement. Quand tout à coup... bah quand tout à coup, mon vieux...
Vous voyez ce que je veux dire? Ce délire! C'est quoi ça? Oh, elle est énorme, cette caverne, mon vieux! Bah! Attendez! Je vais mettre un peu de lumière là-dedans parce que. Je vais éviter de me casser la gueule. Attends, normalement, si je fais mal, je me casse pas la gueule. Hein. Voilà. Oh, putain, c'est énorme, mon vieux! Eh ben, voyez? On vient de découvrir quelque chose. On va peut-être bien arriver aux enfers plus vite que prévu, tu vois? Ouh, aïe, 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 aïe! Attends, par où je viens déjà? Voilà, déjà, on va faire ça, tranquillement. Eh ben voilà, mon vieux. Regardez sur quoi je tombe. C'est plutôt sympatoche, tout ça. En plus, j'étais parti pour faire la salle du Nether à la base, tranquillement. Je sais ce que je vais faire. Bougez pas. Je reviens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer des échelles. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai pris ma petite tablette à côté de moi au cas où j'arriverai pas à faire des crafts ou quoi. Voilà, c'est comme ça les échelles. Ok, on va faire quelques échelles tranquillement. Voilà. Et bah, j'ai plus de bâton, mon vieux. J'ai plus de bâton, j'ai plus de bois, j'ai plus rien. Je vais aller couper un peu de bois vite fait. En plus, ça commence à faire jour, c'est impeccable. Avec ma super hache enchantée, ça va aller vachement vite. Bon, ça fait à peu près 10 heures que je suis en train de couper du bois. Ma hache est quasiment rincée. Je pense encore 2-3 coups, c'est mort. Fais péter les derniers bois. Ah bah c'est bon, elle est morte. Elle est morte, mais j'ai combien de bois? Bah mon vieux, j'en ai peut-être pas assez là, ça va être bon. Impeccable, on retourne au bercail. Allez, c'est parti. Je sais même plus où est-ce que j'ai mis ma base, moi. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Putain, ce délire. Vas-y, casse-toi, mon vieux. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il foutait chez moi, celui-là, mon vieux? Putain, comment qu'il m'a foutu les boules? Je rentrais tranquillement chez moi, avec mon petit bois, tranquille. Il est taré. Bon, on va faire du bois. Allez, c'est parti. Bon, j'en aurais peut-être pas assez, là, sur ce coup-là. Ouais, je pense que j'en ai largement assez, c'est bon. Allez, let's go. On va aller voir ce qui se cache là-bas. Bah, du coup, mon vieux, changement de plan total, tu vois. Là, je viens de trouver une caverne secrète. Et puis, voilà la caverne. Vous croyez que si je saute dans l'eau, ça le fait? J'espère, hein. Allez, de toute façon, faut bien tenter, mon vieux. Allez, on est là pour l'aventure! Ouais! Ça l'a fait! Impeccable! J'ai fait un sacré saut là! Hein. Wow! Je vais faire une échelle jusqu'à là-haut. Voilà! Impeccable! Et bah regardez ça! C'est plutôt cool! Comme ça, je peux descendre sans crainte. Oh là là, comment que ça tue! Ça déchire quoi! Ouh! Ah ouais, chaud! Wouh! Ok, d'accord. Ah, c'est quoi que j'ai ramassé? Un os, c'est plutôt cool! Bon voilà! Impeccable! On va pouvoir. Inspecter cette caverne sans trop de problèmes pour remonter. Je vais mettre des torches là, histoire de dire que c'est là. Voilà, allez, on part un petit peu à l'inspection tranquillement. Ouh, regardez ça, c'est pas de l'or? Alors oui, je sais que l'or c'est pourri, mais je la prends quand même. Voilà, ok, là-bas il y a du minerai de fer et tout. Ça se trouve, on va trouver du diamant, hein. Attends, on est à la couche combien là? On est à la couche 30. Ok, vas-y, viens mon coco. Vas-y, ramène ta fraise un peu, là. Vas-y, viens. Putain, je l'ai loupé. Tiens, headshot, mon vieux. Prends mon arc enchanté dans la gueule. Hein? Alors, ça t'enchante un petit peu, ça? Oh oui, ça l'enchante, vous inquiétez pas. Il est bien enchanté, là, mon vieux. Eh ben, c'est plutôt cool. Alors ça, par contre, je prends minerai de fer. Vas-y, donne-moi ça. Regardez, regardez, ça descend encore. Il y a de l'or et tout. Attendez, parce que faut surtout pas que je me perde. Je vais mettre... Voilà. Je vais mettre des torches comme ça. Comme ça, je sais que c'est là que je suis descendu. Et on va faire des belles trouvailles par ici. Ça se trouve, il y a moyen de choper du diamant et tout. Peut-être. Je prends... Oh, regardez, il y en a masse, là. Ça, c'est de l'or, tout ça. Hein. Voilà. Regardez, il y en a encore... C'est bon, il n'y en a plus. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? Je crois bien que j'ai trouvé une mine. Hein? Regardez. Il y a des rails et tout. Oh, eh, comment que... Oh là là, comment que je me suis mis bien, là? Aïe, aïe, aïe. Là, on s'est mis bien. Hein? On s'est mis super bien, là, ouais. Attendez, parce que tout à l'heure, il y a un truc qui va me tomber sur la gueule si je mine trop comme ça. C'est ça le souci. Ce serait pas de l'obsidienne ça en haut? Non, c'est de la pierre. Ok. Voilà. Je vais pas miner plus. Et là, franchement, voilà les trouvailles quoi. Ouh, attendez, c'est quoi ça? Il y a une sorte de toile d'araignée là-bas. Attends. Avant d'aller là-bas,
Je vais finir d'explorer par là. Ah, regardez ça, ça descend encore. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ça descend encore, quoi. Mais c'est quoi, ça? C'est une mine, ça, en fait. Ouais, c'est obligé, quoi. Ouh, il y a de la redstone là-bas, il y a de la lave. Attends, j'en ai combien du minerai de fer? J'en ai 59. Bon, je vais arrêter de miner un peu la ferraille. J'aimerais bien trouver autre chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Putain, il y a encore des trucs là-dessous, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, mon vieux? C'est pas une chauve-souris, ça? Hein? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me casse de là. Tiens! Dégage de là, ça m'attaque ça ou quoi? Est-ce qu'elle m'attaque? Attends, putain. Je pense pas mettre des torches. Voilà. Putain, mon vieux, je vais te mettre mal, toi, hein. Alors, dégage de là. Oh, regardez. Il y a de la lave par ici. Ouh, ça, c'est de l'or en haut. Putain, puis j'ai plus de torches, quoi. Je vais être obligé de remonter. J'ai plus de torches. J'entends un squeletteur, là. Hein. Je vais retourner un peu sur mes pas parce que, franchement, je vais me perdre. Par contre, pas de diamant en vue. Attends. Oh, quoi que... Oh! Il m'a foutu les boules, mon vieux. J'ai eu peur d'un cri de zombie, quoi. Comment que ça craint? Est-ce qu'il y a moyen que je prenne ça? Oh yes! Je vais les ramasser, mon vieux. Je vais me faire un grand 8 chez moi. Vous allez voir, ça va être un truc de malade. Alors, attends. Ça, par contre, je ramasse. Je suis un peu perdu, là. Attends, là, il y a de la redstone. Je prends. Je vais retourner sur mes pas. Enfin, je vais essayer de retourner sur mes pas. Parce que là, franchement, je suis parti. Je vous raconte même pas la galère. Je sais même pas où je suis parti, en fait. Attends, il y a des torches là. C'était là-bas. Voilà, j'avais mis plein de torches. Vous voyez que ça sert à mettre plein de torches, en fait. Comment que je vais faire? Voilà, c'est par ici. Nickel. Ouh, de l'or. Je prends. Voilà, l'or, c'est bon. C'est impeccable. Putain, à chaque fois, je dis remonte et puis je m'égare. Je pars à l'ouest. Allez, vas-y. Allez, cette fois-ci, on remonte vraiment. Si je retrouve la sortie. Ouh, attends. Il y a de l'or, je prends. Tout à l'heure, je vais rester là-dedans avec tous mes items, moi. Je vais tout paumer. Non, mais putain, mais c'est tentant à chaque fois d'aller plus loin, là. Mais faut que j'arrête, là. Allez, là, faut que je remonte. Voilà, je m'en tiens à ce qu'on a dit. Bah voilà, voilà. Le problème, c'est que je sais plus où est-ce que c'était maintenant. Ah, c'est peut-être par là. Oh, je viens de trouver. Ok, cette fois-ci, on arrête de faire les cons. Voilà, impeccable, on arrive en haut. Bon, on a fait une sacrée découverte quand même, hein. Je vais faire cuire tout ça, hop, de l'or, ça, donne-moi ça, ça tombe bien, j'ai faim. De la ferraille, nickel. Il me restait pas du charbon, c'est impeccable. Du coup, changement de stratégie, le portail du Nether, on va peut-être pas le faire là-bas, parce que là-bas, ça va être ben, la caverne secrète, là. On va plus le faire là-bas, donc on va aller faire une hache et on va creuser. Voilà, impeccable, on va creuser bien gentiment ici. Vas-y, fais péter la hache et c'est parti, mon vieux. Là, là, ici et ici. Impeccable. Bon, regardez cette petite salle que j'ai fait. Ce sera la salle du portail du Nether. Si je me souviens comment qu'on le fait. Déjà, je vais aller chercher de l'obsidienne. J'arrive. L'obsidienne, si je ne m'abuse, elle est ici. C'est impeccable. Voilà. Je crois que pour faire le portail du Nether, il faut et de l'obsidienne et un briquet. Pour allumer le portail. Ok, du coup, c'est 4 blocs en largeur et 5 en hauteur. Donc, 1, 2, 3, 4. Nickel. Et 5, 1, 2. Ah merde, faut encore que je creuse, du coup. Ah, ça va pas du tout, faut que je creuse. Ouais, ça va pas encore. Je vais agrandir la salle un petit peu. Voilà, on va rajouter ça. Impeccable. On va rajouter ça. Merde! On va rajouter ça comme ça. Nickel. Nickel! Impeccable! Tac et tac. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une torche là. Une torche là. Voilà. On va faire 2-3 incantations vaudou. Alors attends. 1, 2, 3, 4. Ça va se passer comme ça. Ok. 1, 2, 3, 4. Merde! 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. Tac, tac, tac. Ok. Voilà, ça c'est impeccable. On va creuser derrière le portail. Histoire 2. Voilà, on va mettre 2 torches derrière. On va même en mettre 4. On va mettre en. Voilà. On va faire comme ça, mon vieux. Oh putain, mon vieux, l'incantation vaudou là. Je vous explique même pas le bordel.
Voilà, donc maintenant, il faut faire un briquet. Alors, du coup, le briquet, je crois que c'est comme ça. Voilà, ça. Voilà, yes. Là, ça fait un briquet. Ok, c'est cool, nickel. On va aller l'autre côté. Voilà, fait péter. Et c'est stylé quand même, hein. Vous avez vu ça? J'ai fait ça, stylé, mon vieux. Impeccable. Voilà, le portail du Nether, il est là. On va faire ça. Putain, faudra que je range mes trucs, par contre, hein. Donc, normalement, maintenant, si je fais ça... Ça y est, mon vieux. Meuf là paraît aller dans les enfers. Bah, je crois bien, hein. Bon, attendez. Je vais ranger mes coffres et tout le bordel. Et ça ira bien, mon vieux. Voilà, déjà, je vais refaire un coffre juste à côté. Ah, PK. Bah, voilà. Alors, attends. Par contre, je vais faire un truc. Voilà. Je vais prendre ça. On va faire un truc vite fait. Donne-moi ça. Ouais, parce que je vous rappelle quand même qu'on est parti pour aller dans les enfers. Donc, non, pas une pelle en diamant, non. Non, mais une épée en diamant, ouais. Là, par contre, ça me va bien. Et on va même l'enchanter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un peu de lapis-lazuli. Voilà, fais péter de lapis-lazuli. Impeccable. Vas-y, on va t'enchanter tout ça, mon vieux. Allez, hop, enchante-moi ça. Vas-y, fais péter. On a trois types d'épées différents. Je vais enchanter celle-là. On va prendre la 3 direct. La pioche, je vais pas l'enchanter. Par contre, je vais enchanter celle-là. Et bah voilà. Là, mon vieux, on est paré pour aller dans les enfers. Là, on est parti. T'inquiète. Allez, je vais ranger. Hop là, donne-moi ça. Ça, par contre, je vais le ranger dans mon coffre. Il est où mon arc? Il est mort? Putain, je crois bien que j'ai niqué mon arc, quoi. Ok. Et comment qu'on fait des flèches, par contre? Attends. Je voudrais bien. Je vais voir comment qu'on fait des flèches. Ok, d'accord. Plume, bâton, silex. Bon ben j'ai pas de plumes. Pour avoir des plumes il faut du poulet. Bon hop on va manger ça tranquillement. Et allez on est parti. Mais je suis pas bien stuffé. Je suis franchement pas bien stuffé pour y aller. Je vais y aller vite fait comme ça. Ça y est. J'y suis là. Attends faut que je reste dedans je pense. Voilà faut que je reste dedans comme ça. Ok. Chargement du terrain, allez au fond des choses. Ça y est, mon vieux. Ça y est. Je suis dans les enfers là. Putain, vous croyez, c'est quoi? C'est le shader qui fait ça ou comment que ça se passe? Attends, je vais essayer d'enlever le shader. Ah ouais, effectivement, tout de suite, ça fait moins vendeur, j'ai envie de dire. Ça fait moins. D'accord, alors c'est ça les enfers, mon vieux. C'est ça les fameuses enfers. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Un quartz du Nether. Ah ouais? Déjà j'ai envie de miner ça. Ça je vais en ramener à la maison. Voilà j'en prends. C'est quoi? Nether Rock. Alors ça j'avais vu quelqu'un qui avait fait une vidéo dessus. Qui me l'a tweeté. Je crois bien que c'était... qui c'est qui m'avait tweeté une vidéo? C'était Antod Gaming je crois. Excuse-moi si je me souviens plus très bien du pseudo. Je crois que c'est Antod Gaming. Antod Gaming. Et il avait fait une petite vidéo où c'est qu'il me disait des astuces. Et il m'avait dit que si je prenais cette pierre et que je l'enflammais, ça pouvait faire une torche voilà quoi. Une torche un peu infinie. Alors attendez, je vais aller voir là-bas. C'est quoi ça? Ah du quartz du Nether. Je prends. Ça va me servir à quoi ça? À quoi ça va bien pouvoir me servir le quartz du Nether? Écoutez je vais le prendre quand même. Je sais pas à quoi ça va servir. C'est quoi ça mon vieux? C'est quoi ce bouquin? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bouquin mon vieux? Il y a un truc qui gueule dessus là. Je sais pas c'est quoi. Attendez. Je vais prendre ça. C'est ça mon vieux. C'est quoi ça? Ça attaque? Ça a pas l'air d'attaquer. Ok d'accord. On va le laisser tranquillement. Il attaque! Putain, il attaque, mon vieux! Oh, le bâtard! Vas-y, descends, mon vieux! Descends si t'es un bonhomme! Putain, il est en train de tout niquer! Vas-y, je m'en fous, il va tirer sur lui. Regarde, il va tirer sur lui. Ah, mon petit bonhomme! Ah, t'es gentil, toi! Hein. Vas-y, tire! Alors, tu veux pas tirer, hein? Je me casse, je vais aller un peu plus loin.
Putain, je sais pas du tout à quoi ça peut servir, par contre, les quartz du Nether, là. Faudra que vous me le disiez dans les commentaires, ce serait cool. Je vais en ramasser en attendant. Et puis, ça me servira pour la prochaine fois où je rejouerai. Parce que je pense pas m'en servir là tout de suite. Attendez, avant de me perdre, je vais voir à combien que j'en suis au niveau des coordonnées. Je suis à 27,52. Ok, 27,52,16. Je vais essayer de monter un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est excellent ça, je vais en ramasser. Ah, j'ai l'impression que je peux pas courir là-dessus. Ah, c'est pas une impression. Je ne peux pas courir là-dessus. Ouh, ça m'a l'air joli la roche en bas. Ça m'a l'air plutôt sympatoche. Alors, il est où le Nether là, mon vieux là? Il est où le dragon des enfers là? J'y mets une calotte avec mon épée en diamant là. Non? Vous m'avez pas dit qu'il y avait un dragon à battre là-dedans là? Hein? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des champignons des enfers, mon vieux. Il est où le dragon là? Que je me le fasse, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Hein? Alors? Tais-toi, mon vieux! Alors? Comment ça m'a gassé celui-là, mon vieux? Ah, bah il est tombé. Mais il est pas là le dragon. Il y a pas de dragon. Hein? Alors je veux pas non plus partir trop loin parce que j'ai mon portail qui est là quoi. Je vais prendre ça. Oh! C'est des blocs qui brûlent putain. Ah ça se récupère. Je vais essayer d'en récupérer alors. Alors? Hein? Alors? C'est toi le dragon mon vieux? Tiens, prends ça dans la gueule. C'est-à-dire mon vieux, il y a ces sbires qui m'attaquent. Il y a ces sbires qui m'attaquent. Dégage. Casse-toi, ouais. Ah, oh, mon vieux. Hein? Ça picote l'épée en diamant, hein, ça picote. Ah, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ouh, il y avait un espèce de fantôme là-bas, là. Je l'ai vu. Bon, et ben, c'est bien, mon vieux. Il n'y a pas de dragon, là. À moins que je me suis trompé... Je me suis trompé d'adresse, non? C'était peut-être pas ces enfers-là. Tiens, je vais y mettre une dernière calotte, lui, avant de partir. Ça! Voilà! Hein? Dégage! Alors, et ils ont des épées ici, hein. Je me casse de là. Allez, on rentre au bercail. Vas-y. Ah, c'est excellent. On se croirait dans Slider, les mondes parallèles et tout. Trop fort. Ouh. Me revoilà sur Terre. Eh ben. Eh, regardez ça. Franchement, j'ai récupéré des trucs, là. Regardez. C'est sympa, ça. Ça fera une belle décoration, non? Hein? Bon écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Encore une fois, beaucoup de découvertes dans cet épisode de Minecraft. Tais-toi mon vieux. Alors, et franchement c'était bien cool. Là j'ai pu découvrir le Nether. Pour la prochaine fois, on a encore plein de trucs à faire. Alors ce que je voudrais faire, notamment, c'est trouver un canasson, lui mettre une selle et le ramener chez moi, voyez. Pour plus tard partir à l'exploration, parce que je sais qu'on va pouvoir trouver des villages. Et franchement, l'aventure s'annonce grande et bien cool. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, bah n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Nous, on se voit à la prochaine pour un nouvel épisode. Et ciao tout le monde, bye!